Bonjour à tous et bienvenue dans le premier épisode des Nyo Jibré. Comme vous pouvez le voir, on a changé de plateau. On a un plateau tout neuf, tout propre, vraiment avec un super design. Ne vous inquiétez pas, il changera, hein. Il y aura des petites modifications, des fois peut-être. Mais bon, la salle en plus des machines, le public est là, le public, ouais, voilà. Et donc du coup, on va commencer tout de suite le premier épisode des Nyo Jibré. C'est parti. On commence avec le premier sujet qui porte sur le jeu Lego Ninjago, l'ombre de Ronin. Et oui, tout à fait, Kai, justement, le jeu, le producteur Givré le fait sur sa chaîne en ce moment. Vous pouvez aller le voir, les liens sont dans la description. Et je vous propose de même vous passer un extrait de la cinquième partie. Allez, c'est parti. On continue ? Bah, bien sûr. Donc on avait fini le chapitre 2, Skies and the Sand, donc normalement le sable, Sand. Vraiment beau, c'est vraiment trop beau. Je suis trop content, je sais pas pourquoi, mais je suis content. Ouais, reviens. On va les attraper les pièces, regardez bien. Voilà. Non. C'est là? Attendez, on va un peu stabiliser et on va aller à fond. Le thé de la perspicacité. C'est parti, jouez. Les news givrés. Voilà pour l'ombre de Ronin, on va passer maintenant à Day of the Departed, en français le jour des défunts. Oui, pour commencer, le jour des défunts serait pas la traduction exacte par Lego France, mais il serait plutôt traduit par le jour des disparus. Et pour la date de sortie, on ne sait toujours pas s'il sortira le 9 décembre 2016 ou dans le mois de mai 2017. Ou alors, c'est la saison 7 qui sortirait dans le mois de mai 2017. Oui, à voir. Et vous avez pu voir que la production Givré a changé sa photo de profil et en a mis une spéciale Day of the Departed. En tout cas, on a vu Day of the Departed en anglais sur Cartoon Network hier et c'est vraiment super. On va pas vous spoiler, mais on attend avec impatience la version française. Oui, tout à fait. On se retrouve après la pub. À tout de suite. Lego Ninjago. Les pires méchants reprennent vie. Construis le tank ultra furtif et libère enfin la ville de ses anciens ennemis. À l'attaque! Qui gagnera la bataille? Nouveauté Lego Ninjago. Et poursuit l'aventure avec le redoutable dragon émeraude de Lloyd. Les news givrées. Et nous voilà de retour pour le troisième sujet qui est sur les news givrées. Oui, on va voir si les news givrées pourraient être l'avenir de la production givrée. Et s'il y aura un deuxième épisode. D'ailleurs, dites-nous dans les commentaires quel invité vous voulez qu'on reçoive sur le plateau des news givrées entre Nanakan, Moro et Maître Hutchen pour le deuxième épisode. On commence par vos messages qui n'ont pas cessé d'être positifs. Oui, et on peut voir que les news givrées ont vraiment été attendues par tout le monde. Ça fait vraiment plaisir de savoir qu'on était attendu par plein de personnes. On va d'ailleurs voir une vidéo qui s'appelle Parodie Ninjago 2, les news givrées, et qui a été faite par Zane le Givré. C'est parti, regardez. Je me souviens pas avoir
avoir mis ça là-dedans? C'est la sacoche de Sensei. On est parti à la hâte, tu as dû l'emporter dans le feu de l'action. Qu'est-ce que c'est? C'est un parchemin, imbécile. Je sais que c'est un parchemin. Mais ça parle de quoi? C'est écrit en pâte de mouche? Mais non, Jay. C'est écrit en ordinateur. Tu sais la lire? Je ne sais pas, je peux essayer. Ce symbole signifie... New Givré. New Givré, la production Givré. Quelqu'un va être au plateau des New Givré. C'est un des quatre ninjas. Que vous pensez à ce que je pense? Quoi, tu te dis que je vais être chez les New Givré? C'est moi qui vais être chez les New Givré, ça fait aucun doute. C'est moi qui est superbe. C'est moi, c'est New Givré. Vous vous souvenez pourquoi Sensei Wu nous a rassemblés? On forme une équipe. On n'était pas censé voir ça et il doit y avoir une bonne raison. Les New Givré. Et voilà, c'est la fin de ce premier épisode. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner et pourquoi pas à dire dans les commentaires si ça vous a plu. Comme ça, on pourra faire un autre épisode et pourquoi pas même toute une saison. Et pour ne rien rater de l'actualité des New Givré, n'hésite pas à aller voir le hashtag les New Givré sur Google+. C'était les New Givré, à la prochaine pour un nouvel épisode. We'll be right back.